Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Icarus. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de se confectionner la dernière armure qu'il y a sur le. C'est la dernière armure qu'il y a au niveau de l'arbre tech. Alors, j'ai beaucoup farmé justement pour pouvoir fabriquer donc la pâte composite. Il fallait que je pense acheter le fourneau électrique. Donc, il faut énormément de composants. Donc, je sais même pas si j'ai assez. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, c'est cette armure-là. Il va me permettre d'aller dans le désert. Hop. Donc, on va prendre. Ouais, donc j'ai farmé. J'y ai passé beaucoup de temps, ce qui m'a fait passer quand même pas mal de niveaux. J'ai quand même bien, bien, bien turbiné. Hein. Je peux vous dire que. Waouh. J'y suis allé. Ok, donc, on va prendre le fourneau. On va apprendre. Hop. Les pièces d'armure. Ensuite. Le panneau solaire, j'avais appris. C'est pareil, ça va falloir en fabriquer. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. La lance composite. J'ai encore 6 points à dépenser. Ça, c'est quoi déjà? Ouais, extracteur électrique. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. La foreuse électrique avancée. D'accord. Donc il faut sûrement mettre un, comment on appelle ça, un panneau solaire à côté, à mon avis. Un panneau solaire fournit combien déjà? 5000, ok. Ça va falloir en fabriquer donc. Ok. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais plus. Bande maçonnerie électrique. Composteur électrique. Bande menuiserie électrique. Ça, c'est quoi? Ok. Le climatiseur qu'il va falloir fabriquer aussi avant d'aller dans le désert. Ouais, ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Ok. J'avoue que quand on arrive vers la fin, ça devient un peu chaud. Ok, alors. Où est-ce qu'on fabrique ça? Déjà, pour commencer. Il est où? Le fourneau électrique. Alors, faut qu'on arrive à le trouver. Ça, le problème. Il semblerait pas que ça soit ici. Oh, ça m'étonnerait que ce soit ça là. Ça soit ici aussi. Ça m'étonnerait énormément que ça soit ici. Mais on peut regarder. Non. Alors. Hop. Ça doit être ici alors. Il est là. Donc il me faut 30 lingots d'acier, 80 mélanges de béton, et c'est les 60 composants électroniques qui me, personnellement, m'inquiètent un petit peu. Donc 80. Là, j'en ai 100. Ensuite, les composants électroniques. Ok, je peux en fabriquer combien? 37. Oh bah oui, je suis loin. Qu'est-ce que c'est qui va me manquer en fait? Le cuivre. Ok.
Ok, c'est le cuivre qui va me manquer. Est-ce que j'en ai encore du cuivre? Ouais, j'en ai encore un petit peu là. Mais je pense qu'il n'y en a pas assez pour... en fabriquer. Bon, on va déjà fabriquer cela. Donc, on va y aller de façon minutieuse. Déjà, ça c'est bon. Ok. Lingot d'acier. Alors, le verre c'est bon, les vis c'est bon, ça c'est bon. 10 lingots d'acier. Où est-ce que je les ai mis eux? Je crois que je les ai mis ici. Ouais, bah, ça va le faire. Scindé en deux. Pop. Tac. Et donc, il va me manquer les composants électriques. Électronique, pardon. J'en ai que 3 ici. Et je sens que ça va être tendu. Alors, là, je peux en fabriquer 20. Et c'est à nouveau le cuivre qui va me manquer. Et ça devrait être juste, juste. On va attendre patiemment. Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il en manque. Ah, il en manque 3. Mais je crois que j'en ai 3 là-bas. Donc ça devrait être bon. On va regarder. 60. Pile poil. Alors ça, si c'est pas de la chance. Allez, on fabrique ça. Toc. C'est bon. Alors, on va le mettre où? Parce que là, je commence à manquer de place sérieusement. On va le mettre là. Ah oui, il est énorme. Ok. Où est-ce que... il est là. Impec. Alors, normalement, toc, voilà, pile poil. Logiquement, c'est bon. Ouais, c'est là qu'on peut fabriquer ça. C'est bien ce qui me semblait, matériaux composites. Alors, matériaux composites, normalement, pareil, j'en ai. J'ai appris à en faire. Je peux même en faire 100, si je veux. 100, ça fait peut-être beaucoup, non? Ouais, je vais en faire... en faire 50. Ça devrait être rapide normalement. Je vais déjà récupérer cela. Hop. Qu'on va mettre là. Ah, j'ai pas assez de courant. Alors, est-ce que j'ai pas assez de courant? Est-ce que j'ai pas assez de courant parce que celui-ci est en train de fonctionner? Ouais, c'est un petit peu embêtant. Pour le coup.
Ça prend combien? 150, ouais, c'est pas ça qui va. Là, c'est bon, non, encore 32. Ok. Il est 17h56. Requiert 2500. Après, c'est logique que j'ai pas assez. Parce que ça fournit que 5000. Ça fournit que 5000. Ça prend déjà 2500. Si on prend toutes les lampes qu'il y a autour. Alors, je peux peut-être les éteindre au pire. Hein. Si je les éteins. On va voir, on va essayer, hein. Si je les éteins, ça veut dire qu'elles consomment plus d'électricité. On est d'accord. Ouais. Ok. Bon, on va attendre un petit peu. C'est pas logique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont branchées à part ça? Les lumières. Non, il n'y a que les lumières. Si je coupe l'électricité sur les lumières, normalement, je devrais avoir assez. Si on est logique. Et ouais, ça marche pas. Alors, on a récupéré tout ça. Ok. Recevoir carburant du réseau. Ok. Je devrais pouvoir normalement couper si j'ai envie. Annuler le placement, par exemple. Hop. Je me retire. Et là maintenant, il devrait y avoir assez d'électricité. Ouais, voilà. Bon, on peut jongler comme ça. C'est parti. Ok, c'est top. Alors, pour bien faire, il faudrait que je fasse des panneaux solaires. Mais les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Je crois que c'est ici. Il me faut pareil des composants électroniques. Il m'en faut 30. Et alors là, j'ai plus de cuivre du tout. Voilà, je commence à avoir faim. Je commence à plus en avoir du tout. Donc c'est un peu tendu. Le verre, c'est pas compliqué. Matériaux composites, je suis en train de le faire. La fibre de carbone, c'est bon, on a compris. Ouais, il va me falloir du cuivre. Il va falloir que j'en retrouve, que j'aille farmer les mines que je connais et que je trouve ça. Ça, je ferai ça de mon côté, par contre, parce que c'est un petit peu long. Alors les armures par contre, donc on peut les fabriquer. Ouais, j'ai soif, je sais. Voilà. On va faire dodo. Hop. Voilà, ça c'est parfait. Oui, donc ce que j'allais voir, c'est les armures. Elles doivent se fabriquer ici. Ah non, elles se fabriquent même pas ici, les armures. Ah oui, il faut peut-être que je fabrique le bon. Alors, comment ça s'appelle?
Ça, qui fonctionne à l'électricité également. Ça va devenir compliqué. Il me faut 8 composants électroniques. Ok, bon ça, les vis, pas de problème. Mélange de béton, pas de problème. Lingot d'acier, pas de problème. Mais c'est les composants électroniques qui vont me poser problème. Ok. Sinon, là, l'armure en elle-même. Ouais. Normalement, j'ai tout pour fabriquer l'armure. J'ai tout pour fabriquer l'armure, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement bientôt repartir pour le désert. Mais avant, il va falloir fabriquer un climatiseur, des panneaux solaires. En plus, dans le désert, ça tombe bien. Ok. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Parce que je suppose que ça, il me faut des composants électroniques. Ok. Alors, j'ai des talents à placer aussi. Ça, c'est quoi? Augmentation de la vitesse de déplacement avec des exotismes dans votre inventaire. Ouais. Ça, c'est diminution du poids des pierres dans votre inventaire. Pourquoi pas? Diminution du poids des minerais dans votre inventaire. Ça, c'est encore mieux. Réduit le poids des exotismes. Ouais. Recevoir de la pierre en plus de ressources via le... Ouais. On va déjà dépenser 4 points là-dedans. Ah bah j'en ai plus déjà. Et là j'en ai combien? J'en ai 1. Donc quoi? J'ai déjà up les armes. Ça, pas besoin. Ça pèse moins lourd, donc ça peut être bien. Augmentation du rendement de la chasse, pourquoi pas? Augmentation de la régénération de l'endurance de base, ça peut être bien aussi. Ouais. Ouais aussi. Boost alimentaire qui dure plus longtemps. Ouais, il y a beaucoup de choses quoi. Augmentation des dégâts. Des lances en mêlée et au lancer, ça peut être bien aussi vu que je continue à utiliser la lance. Non, on va, je crois qu'on va mettre là. Ah, il y a là aussi. Augmentation du rendement des gisements de minerais. Ouais, on va prendre ça, c'est mieux. Hop. Et il me reste donc encore des points, 6 points à dépenser. Mais je sais pas dans quoi pour le moment. Je préfère attendre. Mais ça serait bien, par exemple, dans... Ouais, le marteau, pourquoi pas. Ok. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est fabriqué tout ça? Ok. On a ce qu'il faut maintenant. On est bien. Ça maintenant. Ouais, bah après il suffit de brancher, débrancher, et puis c'est tout simple en fait, hein, donc il n'y a pas de problème. Oh là, on a un orage assez chaud. Donc on va être obligé d'attendre que l'orage passe. Ok. Il va falloir que j'aille relever mes foreuses. On va attendre que ça passe et puis on va y aller tranquillou. Ah mais si j'en ai des lingots de cuivre. Je sais même plus ce que je range. Ouais bah c'est bon alors. Hop. Je peux en fabriquer combien là? 3. Qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer de la résine, de l'or, de la résine et de l'or. Alors, la résine et l'or, normalement, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Parfait.
La résine. Oui, si, je crois que j'en ai. Bon, là, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pour se préparer pour voyager vers le désert. Alors, la résine. Ouais, j'en ai 65. Je sais plus comment on fait la résine. Avec de l'oxyde et du bois. Ok. Un bois. Un oxyde. Ok, il va falloir aller chercher de l'oxyde. Quoique. Attendez. Je crois que j'en ai en réserve de l'oxyde. Ouais. Il va falloir que je sois mieux organisé pour la saison 2, hein. Hop. Ok. Allez. C'est parti. Là, ça va se faire tranquillement. Et puis, qu'est-ce qui va nous manquer d'autre? Ça devrait le faire. L'or, ça devrait le faire. L'époxy, ça devrait le faire. Donc, ouais, il va manquer la résine. Hop, là. 22. Ok, c'est parti. Ah, l'époxy, il m'en manque un petit peu quand même, hein. Hop. Mais j'ai ce qu'il faut. Hop. Voilà. De plus, et voilà. Là, par contre, le cuivre, je crois que j'ai épuisé tous mes stocks là. Hein, par contre, ouais, ah, attendez, non, 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 peut-être que j'en ai plus. Non, j'y ai cru ici. Non. Non. Bah écoutez. Ici, peut-être qu'il peut entraîner un petit peu. Non. Ok. Bah écoutez. Là, pour le coup. Donc. Soyons organisés. Le banc de textile amélioré. Où est-ce qu'il est, lui? Banc de textile électrique. C'est celui-là. Hein. On va regarder. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien celui-là. C'est celui qui mène aux armures. Ok. Hop. Donc, 8. C'est pas trop dur. Le lingot en acier 30, ça devrait le faire. Allez. Hop. Ça. 30 lingots en acier. Oui, c'est ici. Toc, toc. Voilà. Hop. Donc on peut fabriquer ça. Fabriquer. Hop là, c'est bon. Il est où? Il est là. Voilà. Bon, je vais commencer à manquer de place, hein. À manquer de place. Où est-ce que je vais mettre ça? Ici. Ouais, ça commence à être limite. Voilà, donc ça, faut que ça soit relié à l'électricité.
Ça prend 2500, ok. Donc. Hop, voilà. Donc là, j'ai 2500, ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas, on est d'accord. Donc. J'annule ça. Non, c'est pas celui-là que je voulais annuler. C'est pas celui-là non plus. Mince. Ah non, c'était celui-là qu'il fallait annuler. Voilà. Du coup, ça. Jusque-là. Jusque-là. Ok, là, ça fonctionne. C'est toute une organisation, hein. Donc, c'est cette armure-là que je veux. Ok, donc, on va y aller. Ah, on peut faire un. Non, ça c'est toujours bon. Ok, on va y aller. Ouais, de toute façon, là j'ai construit, en fait je pouvais détruire l'autre. Bon, je pouvais détruire l'autre. Alors, on y va de façon organisée. Lingot d'aluminium. Boum. On y va. Hey, j'en prends 40. 60. 66, allez. Hop. On est des fous. Ok. Ensuite, matériaux composites. Est-ce que je vais en avoir fait assez? J'espère. Hop. Toc, toc. Ensuite, des vis. Des vis, je dois en avoir ici. 42. Même plus. Ok. Ouais, c'est pas compliqué à faire, les vis. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? De la fibre de carbone. Alors, fibre de carbone, est-ce que j'en ai encore qui traîne ici? Oui. Et pas qu'un peu. On va tout prendre. Hop. Et ben allez, on y va. On fabrique le torse. Ah, j'ai pas assez pour les jambières. Mince. J'en ai pas assez pour les jambières. Eh ben écoutez, c'est reparti. Donc il faut que je débranche. Alors je sais que c'est un petit peu le bordel là, mais. Hop, voilà. C'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Non, c'est pas ça qu'il faut que je branche en premier. Hop. Allez, on y va. Ok. On va y arriver, hein, petit à petit. Alors, je sais que ça semble un peu bizarre ce que je fais de brancher et débrancher, mais pour le moment, j'ai que ça en électricité. Et je m'aperçois que ma base est trop petite. Enfin, trop petite, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, l'atelier qui est ici, j'aurais pu détruire ça pour le mettre ici à la place. Bon, c'est pas grave. Faut que j'aille voir aussi si lui il a encore à manger, parce que ça fait un moment que je me suis pas occupé de lui. Est-ce que t'as encore à manger, toi? Ah non, t'as plus rien à manger. Et t'en es où? 60%. Ok. Bon, je ferai ça de mon côté. Je ferai ça de mon côté.
Alors, on va boire un petit coup. Niveau mission, qu'est-ce qu'on a? Je ferais bien une petite mission dans la prochaine. Chasser une créature devenue folle par le processus de terraformation. Ça peut être pas mal, c'est lui facile. Trouver une cage dans une zone abandonnée par d'autres prospecteurs. Ouais, ça rapporte généralement pas grand-chose. On peut la faire quand même. Faire une petite vidéo après consacrée au... Un petit peu à des missions. Ça change. Et entre temps, ça me permet de farmer. Pour être très honnête. Parce que j'ai un petit peu de mal à suivre là en ce moment. On en est où les gars? Encore 27. Ok. Ici. Hop, les 75. On est bien. Hop. Là, normalement, voilà, on a ce qu'il faut en biocarburant, pardon. De la sève, ça. Ouais. Ok. Bon. On va y arriver. Normalement, je crois que j'en ai... Ouais, voilà, juste ce qu'il faut. En fibre. Allez hop, faut que ça tourne. Alors dans cet épisode, enfin dans cette saison, je vais pas trop m'embêter avec les branchements hydrauliques et tout ça. J'aimerais essayer de refaire donc une saison 2 en essayant d'être plus organisé. Maintenant que je sais, vu que c'est de la découverte, maintenant que je sais un peu la place que ça prend, je vais pouvoir faire quelque chose de plus gros. Le système hydraulique, je vais pouvoir faire en sorte de me mettre au niveau d'un point d'eau. J'imagine bien une base au-dessus d'une rivière, par exemple. Ce qui permettrait de brancher... Ouais, faut y réfléchir. Faut y réfléchir, en fait. Ok. Bon. Ça se fabrique là doucement, mais sûrement c'est fini. Ok. Eh ben on y va. On y va. Donc. On a ça. Je suis toujours sur mes câbles. Ok. Mince, il est où le câble? Ah, je l'avais là, il y a 2 secondes. Ah là, je l'ai. Annuler l'emplacement. Non, tu veux pas? Non, pas ça. C'est pas ça que je voulais annuler. Voilà, c'est ça. Hop, là c'est bon. Maintenant ici, il faut que je rebranche. Parler d'une organisation. Hop. Allez, on est reparti. Un petit peu d'éclairage. Et après, on va pouvoir fabriquer notre dernière pièce d'armure. Hop, on va être tout beau avec ça. Alors après, entre la saison 1 et la saison 2, moi j'avais pensé peut-être faire des missions de station. Histoire de pouvoir débloquer des petites choses. Alors j'en ferai peut-être de mon côté, et puis j'en ferai d'autres en vidéo. Ça peut être intéressant. Ça me permettrait de le découvrir, parce que vu que j'en ai jamais fait, et que... Je pense qu'à un moment donné, c'est important de les faire. Ouais, ça peut être intéressant d'en faire en vidéo. On va tester ça. Je vais y réfléchir. La première, peut-être pas la première, parce que la première, elle a l'air d'être relativement longue à faire. Mais ouais, non, faut y réfléchir.
Alors, longue affaire, c'est un peu délicat dans le sens où mon personnage là, il va falloir que je l'utilise. Donc, ouais, faut que ça soit de façon organisée. J'utiliserai ce personnage là, donc qui est maintenant bien haut au niveau des points tech et au niveau level. Comme ça, je galérerai moins pour les missions. Alors, on y va. Ok, ça se fait tranquillou. On va laisser faire. En attendant, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher un petit peu à manger pour le bestiau? Je pense que... Je crois qu'il va falloir que... Ah non, il y en a là. Ok. Il m'en faudrait un petit peu plus. Peut-être deux que j'avais oubliés. Alors je sais pas si ça repousse. C'est ça qui est problématique. Et à mon avis non, parce que quand on voit comment j'ai tout rasé autour. Hop. C'est pas tellement du respect de la planète tout ça. Hein. Alors je sais que j'ai été très loin des fois pour aller en chercher. Oh toi. Il y a un temps de réaction sur... Hop. Voilà. Hop. Parfait. Alors je sais que aussi je fais pas tout bien. Je suis désolé pour ceux qui connaissent parfaitement le jeu. Hop. Ah. Ah, ça il aime bien ça. C'est quoi, des haricots? Ah ouais. Après il pète beaucoup, mais c'est pas grave. Hop. Bon, je pense qu'on est bien là. Allez, ça ira bien. Ah, on en a là. Hop. Pour l'eau, normalement, je pense que j'ai pas trop à m'inquiéter. Allez. Prends ton souffle et vas-y. De mon côté, je vais aller farmer les grottes alentour pour voir si j'ai pas laissé du cuivre. Parce qu'il va m'en falloir encore du cuivre. Oh. Il va me rester encore pas mal de choses à fabriquer. Toc. Tiens, mange. Hop, voilà. Allez, c'est bon. Là, t'as de l'eau. 10 litres, c'est bon. Allez, va manger. Oh. Bon, et puis merde. Il veut pas. Il veut pas. Hop. Toc. Moi, je reste sur la cheminée pour faire à manger. Ah. Ah oui, c'est vrai, c'est le problème de ça. Faudra pas que je recommence ça. Alors, on en est où là? Ça y est, c'est fini? Désactiver, ok. Hop.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, voilà. Ouh, c'est compliqué, hein. Il va vraiment falloir que je m'organise mieux. On peut rallumer les lumières. Que c'est pas ça qui prend le plus. Hop. Non, c'était ici que j'ai été mis. Hop. Voilà. Alors. Il me restait ça à faire. Et voilà. Mission accomplie. J'avais gardé ma tenue d'hiver en plus. Vous voyez? Hop. Toc. Et le torse. Voilà. Ah bah on est tout beau comme ça. On est tout beau. Ok. Hop. Parfait. Bah écoutez, l'objectif de la vidéo a été réalisé. Hop. Regardez-moi ça. Si on n'est pas beau. Avec notre superbe armure. Ça pète, non? On a la classe. On a la super classe. Ok. Eh ben, c'est cool. Bah, écoutez, dans le prochain épisode, je sais pas trop encore ce qu'on va faire. À mon avis, on va essayer de s'intéresser un peu à la construction des panneaux solaires et des climatiseurs. Hein, on continue à s'organiser pour aller au niveau du désert. Donc, ça va encore être pas mal de choses. Peut-être courir beaucoup pour trouver les matériaux. Moi, je vais farmer mon côté. Donc, dans les quelques grottes qui me restent, je vais aller relever mes foreuses. Parce que j'en ai placé au moins deux, ça c'est sûr. Et pour le coup, après, on verra. Je pense qu'on va pas tarder à aller... à aller dans le désert. Quoique maintenant que j'y réfléchis, non, j'avais pas dit qu'on ferait ça dans la prochaine vidéo, j'ai dit qu'on se consacrerait à des missions pour la prochaine vidéo. Donc on va rester sur ça, et la vidéo d'après, on fera le panneau solaire et le climatiseur. Ok. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire, à partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.